Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça sera sûrement une vidéo qui va vous plaire. Je vais demander à des inconnus dans la rue de garder ma voiture qui est un Mercedes CLA année 2016. Je vais prétexter bien sûr que ma clé a un problème ou que ma voiture ne marche plus. Je vais leur laisser des clés au cas où s'ils veulent la déplacer si la voiture gêne pour voir leur réaction et pour voir leur intention réelle. Bien entendu, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'à la fin, tout ne s'est pas réellement bien passé comme vous pouvez le penser. Mais vous verrez que parmi les bonnes réactions et les mauvaises, il y a toujours un bon fond chez certaines personnes. Je vous invite à regarder cette vidéo dans son intégralité pour voir ce qui s'est réellement passé et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Je vais faire bientôt un direct sur ma chaîne YouTube où j'ouvre tous les colis que les abonnés m'enverront et je les ouvrirai bien entendu en direct devant vous sur ma chaîne YouTube. Je vous donnerai la date et l'heure exacte dans les prochaines vidéos. Pour envoyer vos colis, j'en ai déjà reçu quelques-uns, mais pour les envoyer, l'adresse est la suivante. C'est Kamoff, 11 cours du 11 novembre, boîte postale 151, 13718, Allo Cedex. Je les ouvrirai en direct sur ma chaîne YouTube à la date que je vous communiquerai prochainement dans les prochaines vidéos, donc n'en ratez aucune. Ciao. Voilà les gars, donc là je suis en compagnie de Lobby Fun. Je vais prendre ma voiture qui est juste à côté de moi, qui est un Mercedes CLA avec pack AMG, donc qui coûte quand même un certain prix. Donc on va aller à plusieurs endroits et je vais demander à des inconnus de me garder la voiture, leur faisant croire que ma clé ne marche plus et n'arrive plus à fermer le véhicule. À partir de là, on verra leur réaction. Donc là, on va partir dans un endroit. On va demander aux gens de me garder la voiture et on verra leur réaction. C'est parti. On aurait dû changer d'endroit parce qu'il y a vraiment personne. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez 5 minutes Là, je vais rentrer chez moi juste à côté, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai un gros problème avec la voiture. La clé, elle ferme pas la voiture. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de laisser la voiture. Si je veux faire un truc, je suis obligé de laisser la voiture allumée, enfin ouverte. Et ça crée un peu, quoi, parce que voilà, c'est une voiture qui vaut quand même assez cher. J'ai ma copine qui habite sûrement pas très loin de chez vous, vers là-bas. Et je dois juste récupérer un truc, mais je veux pas laisser la voiture sans surveillance. Et non, t'as cru que t'allais y passer, tu n'y passeras pas. La vidéo a commencé, mais sans plus, donc je prends ton attention qui est maintenant et j'en profite pour faire de la publicité pour mon ami Une Vie qui fait des lives justement sur Fortnite, sur les jeux vidéo, tout ça. Il joue avec ses abonnés de 18h à 20h tous les jours. Je mets sa chaîne YouTube juste ici, n'hésitez pas à le rajouter, à s'abonner à sa chaîne et à jouer avec lui. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, je fais aussi une publicité pour mon ami Trillionaire Chrono qui a sponsorisé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, il s'affiche juste ici aussi. Vous pouvez le rajouter, suivre ses paris gratuits et après pourquoi pas souscrire un abonnement si vous en avez envie. Et comme je le répète à chaque fois, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et faites attention de ne pas tomber dans la dépendance. On peut reprendre le cours de la vidéo et désolé pour cette petite interruption, je vous aime. Vous dérangerez si je vous laisse les clés? Bien, j'en ai mis pour 5000 chronos. Même peut-être moins. Bon, ben ça va, ça va. Ça ne dérange pas? Non, mais ça va, ça va. Et voilà, ben je vous laisse les clés au cas où s'il faut la déplacer ou quoi que ce soit. Je vais vite faire un aller-retour là-bas. Je fais confiance? Oui, vous pouvez, ça va. Allez, merci beaucoup. Bien, merci. À tout à l'heure. Donc là, apparemment, ben, on a une situation assez classique. Une situation où ben, le mec est rentré dans la voiture. Comme si c'était la sienne. Putain, ça craint trop. Ouais, il la démarre. Les gars. Bah Antin, qu'est-ce qu'on fait? Il a démarré, on fait quoi? On fait quoi? On attend un peu encore. Ouais, il teste l'accélération. T'entends? Voilà, ça y est. Je suis désolé, j'ai pas mis trop longtemps, j'espère, ça va? Et vous étiez dedans? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, ben, je suis désolé, j'ai testé des accélérations en fait, parce que... Voilà, je vais oui, oui. Ah d'accord. Voilà, pour faire passer le temps, vous savez, je voulais écouter le moteur et tout. Je suis désolé, c'est parce que j'aime trop les voitures. Je voulais vraiment tester le moteur. Est-ce que ça vous dérangerait de me redonner mes clés? Oui, parce que j'aimerais bien avoir une voiture comme ça. Ah. Elle est belle, elle est magnifique. Bah, merci. Bonjour monsieur, excusez-moi. En fait, je vous explique. J'ai ma copine, elle habite juste en haut là-bas. Je peux jamais fermer la voiture. Je peux pas la fermer. J'ai un problème, j'appuie. Voilà, elle se ferme pas. Est-ce que ça vous dérangerait de me garder la voiture juste le temps que... Non, je fasse l'aller-retour. Ouais, ouais, je vous laisse les clés et... Il n'y a pas de souci. Et voilà. Hein? Ça va. On va faire confiance? Oui, il n'y a pas de souci. Je fais juste un aller-retour là comme ça. Allez-y, allez-y. Hein? Je fais vite, j'ai pas pour longtemps. Merci. Je me suis mis à part et on va voir ce qu'il fait avec la voiture. Ah, il prend des snaps, il fait des vidéos, il frime un peu. Ma foi. Bon, apparemment, il fait rien de méchant, il filme, il fait des photos.
Salut monsieur. Ouais, merci. Franchement, c'est sympa, ça prouve que il y a beaucoup de, parce que vous êtes un jeune. Oui, oui. Les gens ils disent ouais, les jeunes de cité. Tout ça, ils sont des conneries. Hein. On grandit avec des valeurs. Dans tous les cas, vous êtes un jeune. Ouais. Et vous n'avez pas volé la voiture, donc voilà, ça peut changer l'image des. Ah oui, tant mieux. Et malgré ce qu'on peut dire sur les jeunes, comme vous le voyez, il a pas touché, il a rien volé. Enfin, je crois pas. Bravo à ce jeune. Bonjour. Excusez-moi monsieur, le problème c'est que là j'ai un petit souci avec ma voiture, je vais vous expliquer. En fait j'ai ma clé qui marche plus. D'accord. Ça veut dire que je peux pas fermer la voiture, je peux jamais la fermer. Genre là j'appuie, vous voyez, regardez. J'ai ma copine, elle habite juste à côté là. Si jamais faut la déplacer ou quoi, je vous laisse les clés. D'accord, okay. Mais voilà, je vais juste vraiment, je fais un aller-retour 5 minutes. Okay, ça va, je vous fais confiance. Oui, faites-moi confiance. Ouais. Je vous attends. Bah, en fait on a pas trop de réaction même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, ouais, il prend une photo, bon mais ça... En espérant qu'il fasse pas n'importe quoi, parce que sinon ça va mal aller pour lui et ça peut mal aller pour nous. Il regarde, il rentre. Ok, je retourne le vis vite. Ça y est, j'ai fini. Ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Y'a pas de soucis ? Non, c'est bon. Je suis en train de partir. Non, je sais bien. Sinon, je pense que vous serez parti, mais... Juste en train de boire du moteur. Voilà, mais en tout cas, bon, bah écoutez. Merci beaucoup. Je peux récupérer. Petit truc, là, et... Au moins, je suis allé. Faut que j'aille absolument la réparer, parce que c'est... C'est problématique. Tu peux même plus... Tu pouvais partir avec toi. Ouais, non, je sais. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous serre la main. Même si on se connaît pas, je suis désolé. En fait, je vous explique, j'ai un petit problème avec la voiture. Regardez, à chaque fois que je vais la fermer, elle reste ouverte. Je suis un peu pressé, là, il y en a pas longtemps. Je vais vous demander un petit service. Vous êtes pressé, vraiment ? Je suis un petit peu pressé, ouais. 5 minutes, je fais un aller-retour. Je peux... Mais le problème, c'est que je peux pas laisser la voiture sans surveillance, comme ça, et ouverte. Je vous laisse les clés. Je n'en ai même pas pour 5 minutes. C'est bon ? Je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Ok. Merci, à tout à l'heure. Ok, donc là, on est encore dans... la... troisième ou quatrième situation, je sais même plus. On voit ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il monte dans la voiture, classique, tout le monde l'a fait, j'ai l'impression. Tout le monde est monté dans la voiture. Il la démarre. Ok, là j'ai le cœur, il bat à 2000, tu vois comment ça fait des trucs comme ça? Là, il a... Je crois qu'il a enlevé le frein à main. Oui, il a enlevé le frein à main, j'entends une petite... Qu'est-ce qu'il fait les gars, il se taille avec? Oui. Les gars, monte vite dans la voiture. Voilà. Vas-y gros, je suis en train de le filmer là, désolé si je cadre mal. Vite, il a tourné, vas-y, s'il te plaît, accélère, frérot, accélère. Il a tourné gros. De toute façon, il peut pas aller bien loin, je connais bien le quartier, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Vas-y, trace, accélère. Il va me la défoncer la voiture, ce chacal. Il va me défoncer la voiture. Putain. Alors on peut être. Vas-y gros, il a pris. Ouais, voilà, ok, il a pris à gauche. Tout droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait doubler la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait n'importe quoi. Il voit qu'on le suit, gros. Il a compris qu'on le suivait. Oh putain, il a coupé le devant la voiture et tout. Bon. Vas-y, prends à gauche, c'est un parking. C'est une impasse. Il s'est arrêté. Vas-y, on y va. Il sort de la voiture. Comment? Wesh. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux quoi? Tu veux que je t'arrache la tête? Vas-y, touche même pas. Le touche même pas, le petit. Tu veux quoi, frère? Tu prends la voiture comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Viens. Donc, on a une caméra de quoi? Parce qu'à la base, on fait des expériences sociales pour voir si les gens ils volent pas nos voitures. J'ai pas envie de me filmer en plus. Vas-y, éteins ça. Tiens, je me la niquer en plus la voiture. Parce que tu as pris une dos dans la fond à un moment donné, frère. Je sais même pas si tu me l'as pas abîmé. Genre, ça va aller loin. Vas-y, viens, on va au commissariat. Ça va mal aller. Je te le dis, ça va mal se passer. Viens, on va au commissariat. Quel commissariat de quoi? Tu vas pas venir au commissariat? Tu vas pas venir? Tu vas pas venir avec nous? On est pas obligé. On s'en bat les couilles, tu vas pas venir? Tu veux venir ou pas? Tu vas pas venir? Je vais porter plainte. Tu veux venir ou pas? Moi aussi, je vais porter plainte. Eh ben, tu vas porter plainte contre quoi? Non, attends, contre quoi tu vas porter plainte? C'est pour moi, monsieur. Ah, mais si je fous ton visage qu'elle va sur internet, je fais ce que je veux. Tu veux pas venir? T'as peur du commissariat? T'as peur des flics? T'as fait un truc qui fait. Je veux pas. Tu veux partir? Pars. Laisse-le pas. Tu veux partir? Pars. Nous on va au commissariat, on a les images, on a tout. Des vidéos. On va arrêter de filmer. Lève-toi. Ah, je suis un fou de quoi? Tu viens de me niquer la voiture. Si en plus tu me l'as abîmé, on fait quoi? Tu m'aurais fait quoi? Tu m'aurais ramené la voiture? Ouais, tu m'aurais ramené. Ah, tu voulais juste faire un tour. C'est comme le mec du jet ski. Voilà. Je voulais juste faire un tour. Bon, bah allez, commissariat. C'est bon, même pas en discute. Quel arrangement? Encore un. À chaque fois, il y a un arrangement. On fait des vidéos, on fait que ça. Et vous voulez toujours à chaque fois un arrangement. Pourquoi vous avez peur de la justice?
Si t'as peur de la justice, fais pas n'importe quoi. Si t'as peur de la justice, fais vole pas. T'es un casier judiciaire déjà. T'es connu. Comme ça, t'es pas connu. Ben tu seras connu. C'est bien. Tu seras connu sur YouTube et au commissariat. C'est pas beau. Ça sert à rien. On va pas discuter. Allez. On va pas discuter sans temps. Tu vas pas au commissariat. Si, j'y vais au commissariat. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, il va aller au commissariat. Je crois que je peux faire des trucs comme ça et être impuni. Tu veux quoi? Commissariat ou reste avec moi et je te jure? Non, je veux pas au commissariat. Tu veux pas? Non, c'est mort. Mort. Sans temps, ça la camoff. Allez. Sans temps, ça la camoff. Ça veut dire quoi, sans temps, ça la camoff? Ça veut dire sans temps à la camoff. Donc, les amis, nous avons tout préparé. Je tiens juste à dire que ce monsieur derrière moi ne peut pas partir. Parce que si ce monsieur s'en va, nous allons au commissariat et nous montrerons les images avec ton beau visage. Si il veut partir en paix, il va avoir un petit challenge à faire et à réussir surtout. Avec moi, il y a Lobifun, mais il y a aussi une carte que je vous présente ici dans lequel ce monsieur va devoir conduire. Il va devoir conduire en faisant un parcours que nous aurons décidé de faire et que nous aurons un peu schématisé nous-mêmes. Bien sûr, j'avais prévu, au cas où, si quelqu'un voulait la voiture, de faire un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai tout ça à l'avance. Je ne suis pas allé l'acheter avec lui. Pour commencer ce parcours, notre ami devra passer par ces deux plots, descendre cette magnifique pente et descendre ce trottoir qui n'est pas très haut mais qui est quand même embêtant à descendre avec un car. Il devra enchaîner et passer par ces deux nouveaux plots et enchaîner ici en faisant des slaloms, en tournant, en faisant bien attention de passer entre les poteaux. Il devra bien évidemment après passer deux dodanes qui sont en béton et qui sont durs même pour les voitures normales. Donc je pense qu'il aura du mal à les passer. Par la suite, notre ami devra se mélanger avec les vraies voitures et descendre cette magnifique pente en faisant très attention de ne pas se faire percuter par derrière car ceci est dangereux. On va rester à côté de lui pour descendre cette pente, mais sachez qu'il devra la descendre en carte. Une fois cette pente descendue, il devra passer sous cette barrière et monter magnifiquement cette magnifique pente qui est très 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 dure à monter à pied mais qui est encore plus dure à monter quand on pédale un kart. Après avoir réussi à monter cette pente, et s'il arrive à la monter, il devra passer entre tous ces plots, descendre les escaliers en faisant attention de respecter le chronomètre. Une fois ces escaliers descendus, il devra se rendre à ce plot final qui, bien évidemment, désignera la fin de son aventure. Et ça, c'est moi, et bonne chance. Il a droit à un temps de 8 minutes. Si tu dépasses ce temps de 8 minutes, nous allons au commissariat. D'où l'intérêt que tu fasses vite, d'accord? On a calculé à pied, ça fait à peu près 6 minutes. On t'a rajouté 2 minutes exprès pour que justement tu aies le temps de te manger, te relever, tout ça, si jamais tu dois te manger. Au moment où j'allumerai les réacteurs, tu lances le chronomètre. Ça va. Here we go! Bon, tu peux y aller. Allez mec, vas-y. Allez, vas-y. Allez, 8 minutes. Allez. Oh l'enculé. Allez, entre les slaloms. C'est parti, on passe par les slaloms. À droite. Allez, c'est parti. Go, 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 go. C'est bien, là tu vois, tu commences à prendre le rythme. Les réacteurs, ils font effet. Allez, Dodan. C'est bien, tu es resté bloqué. Allez, je donne un petit coup de main, vas-y. Allez, vas-y, go. Il va y arriver, hein. Je suis sûr qu'il est bien parti, hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le deuxième, Dodan. Allez, je l'aide. Allez, c'est parti. Faut descendre toute la pente. Go, go, tu peux y arriver. T'as passé la cinquième étape, frérot. Vas-y, vas-y, tu peux y arriver. Il est motivé, il veut pas aller au commissariat, lui. Hein. Il veut pas, il a pas envie. Si tu veux pas aller au commissariat, tu es bientôt à la fin. Tu vas passer la sixième étape. Vas-y, 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 vas-y. Là, tu vas prendre à droite dans pas longtemps. Vas-y, et toi avec la barre. Vas-y, 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 vas-y. Il a réussi. Allez, maintenant, nous avons la grande pente à monter. C'est parti, il va aller jusqu'à la pente. Tu arrives. Allez, allez, il te reste pas grand chose à monter. On est presque arrivé. Encore 50 mètres, on y est. C'est parti, pédale, mon ami, pédale, pédale. Ça t'aura fait les jambes. Allez, non, 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 avec les pieds, là, avec les pieds. Pédale. Là, faut que tu fasses l'escalier. Ouais, et tu dois aller là-bas. Et s'il te reste. Hein? Tu le fais pas? De quoi, jure que je te dis? Écoute. Mec, j'ai qu'une parole. Je te jure que j'irai pas au commissariat si tu descends cette pente. Il te reste plus de 50 secondes. Allez, tu peux le faire. Allez, allez, tu l'as. Allez, allez, allez. Pas les mêmes par terre, c'est de la triche. Vas-y, vas-y, go, go.
gros. Allez, allez. Allez, tu es presque à la fin. Allez. Vas-y, vas-y. Allez, il te reste 20 secondes, vite, accélère. 20 secondes et tu arrives. 20 secondes. Non, non, monte dessus, vite, 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 vite. Touche le plot, touche le plot. Touche le plot, touche le plot. Applaudissez-le, les amis. Bravo. Bravo, franchement, je te connais pas, mais tu mérites d'être connu, toi. Toi, tu mérites même pas qu'on foute ton visage, frère. Tu peux y aller. Si tu as envie de partir, tu peux y aller. T'as ma promesse que. On peut te laisser tranquille. Oh, je te fais confiance, hein. J'espère que tu as qu'une parole. Aucune parole, je te balancerai pas. J'espère que toi, tu as compris la leçon quand même. J'espère que ça a l'air bon. Je suis désolé. Mais... Tu regrettes d'avoir fait ça d'avoir fait la voiture. Ouais, je regrette. Je suis désolé. C'est vrai? Ouais. Tu le penses sincèrement? Ouais. Moi, je le vois dans ses yeux qu'il est sincère. En plus, t'as pas l'air d'être un mauvais mec, franchement. C'est dommage, hein. Tu auras réussi un record. En 8 minutes, t'as fait un truc que même moi, je pense pas que j'aurais fait. Bon, allez, on va te laisser tranquille. Je te serre la main parce que t'es pas un mauvais mec. Et on ira pas au commissariat, je t'en fais ma parole, ok? Je te donne ma promesse. J'ai confiance en toi. Tu peux me faire confiance. Bon, bah écoute. Je vais pas rouler ma tête là. Non, t'inquiète, ton visage sera flouté. Hasta la vista, baby! Énorme! Du moment où on tape, je serai directement téléporté dans ma chambre. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme vous avez pu le voir, eh ben, on a fait faire un parcours à ce jeune homme. On a même placé des réacteurs, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais on a scotché des genres de feux d'artifice justement pour que ça fasse effet réacteur et pour que ça ait l'air vraiment plus drôle. Au final, ça m'a presque fait de la peine parce que le mec avait pas un mauvais fond et il regrettait, sincèrement, j'ai vu dans ses yeux qu'il regrettait vraiment son acte. Donc écoute, j'espère que ça lui aura servi de leçon et qu'il recommencera pas. Comme d'habitude, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat. Il s'affiche juste en dessous, c'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Simple, rapide, efficace. On a aussi un Insta qui s'affiche juste en dessous. C'est Cam-Off-Officiel. On met des photos de temps en temps. Sur Snapchat, on raconte notre vie. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez être avec nous 24h sur 24. Pour les vêtements, il commence à faire froid. On a même des bonnets, regardez. On a des bonnets, on a des casquettes, on a des pulls, on a des t-shirts. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. En ce qui nous concerne et ce qui me concerne, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne YouTube et à nous regarder chaque mercredi à 18h. On est à peu près 350 000. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui est juste derrière moi. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton s'abonner et vous vous abonnerez pour ne rater aucune de nos vidéos. Je le répéterai jamais sûrement assez, mais faites attention autour de vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Car comme vous pouvez le constater, et je le montre souvent dans mes vidéos, les gens n'ont souvent aucun scrupule. C'était Camoff, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo ou une expérience sociale. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous et ne faites pas confiance à n'importe qui, ni au premier venu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À mercredi prochain. Ciao.